quotidien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous parle des conseils concernant toute la partie théorie. Donc, se remettre dans des livres après un certain temps d'avoir quitté l'école, c'est assez difficile. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez avoir des outils, des astuces et tout ce qu'il faut pour bien se mettre en condition pour la théorie. On va faire le blé. Alors, le blé au froment. Tu sais, je me ferais bien un petit thé, là. Ah ouais, un thé en même temps que la vision. Allez. Oh, j'ai les mains sèches maintenant. Oh. Je me mets de la crème et après je continue. Là. Ah. Un bon thé. Oh. Allez, on continue. Je suis moi-même passée par là et je remettais toujours au lendemain ce que je devais faire. Mais au bout d'un moment, il va falloir s'y mettre. Donc, ne remettez jamais à plus tard ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Bon, allez, on continue. Ouais. Ouais, je pensais à toi, dis donc, c'est trop drôle. Et je te disais, au fait, la dernière fois, quand elle m'a dit ça, j'étais trop choquée, quoi. Non, mais... Ah ouais, mais c'est du foutage de... Mettez-vous dans des bonnes conditions lorsque vous faites la théorie. Donc, il ne vous faut pas de télé, pas de musique, pas de bruit et surtout pas de téléphone. Je sais que c'est très difficile pour tout le monde. Je sais pas comment je vais faire pour apprendre tout ça, là. Il y a trop de trucs, là. Il y a combien de pages? On enlève ça, parce que ça, c'est le truc, là. Les questions un peu bazar, là. Hein? 349 pages. Et puis en plus, moi, par cœur, je vais jamais arriver à apprendre tout ça par cœur. Rappelez-vous comment est-ce que vous étiez à l'école? Quelle était votre méthode d'apprentissage? Est-ce que vous appreniez plutôt en écoutant, en lisant ou même en écrivant? Donc, retenez bien votre technique, gardez-la pour vous. Faites vraiment ce qui vous permet d'apprendre le plus facilement. Et même, il y aura des moments dans la journée. Ce sera soit le matin, soit l'après-midi, soit le soir. Je commence par quoi? Il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs dans ce livre. Par quoi je commence? Comment je... Ah, je sais. Oh, les additifs alimentaires. Constituez-vous des chapitres à apprendre par semaine. Donc, lorsque vous aurez trouvé votre méthode, appliquez-la. Et ensuite, vous pourrez faire chapitre par chapitre toutes les semaines ou même en fixer plusieurs par semaine et faire des révisions en fin de semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. En barre de description, je vais vous mettre tous les outils que j'ai utilisés moi-même pour réviser la théorie. Donc, des cahiers, des stylos et tout ce qu'il faut. Vous allez trouver aussi mon compte Facebook et mon compte Instagram. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour de nouveaux conseils. Salut! Oh non, je dors pas. Je dors pas. Je dors pas, je révise. Qui c'est qui dort ici? Personne. Moi, je révise.